Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Anne Abilon pour ceux qui ne me connaissaient pas. Si c'est la première fois que vous me rejoignez, je suis ici pour parler de mon aventure de gestion de poids. Parce que depuis le début de l'année 2019, en janvier 2019, je me suis retrouvée avec 200 livres. Alors que j'étais loin d'imaginer que j'avais ce poids-là. Donc, j'avais 200 livres et donc qui correspond à 90 kilos. Et ma balance m'a écrit à côté « obèse ». Alors, j'ai dit « ok, il est temps que je me prenne en main ». Et voilà. Si donc c'est la première fois, je suis Anne Abilon et ici, j'encourage à se nourrir donc du bon, que du bon. La dernière vidéo que j'ai faite, je parlais de cette expérience-là, j'allais de long en large, en fait, je racontais depuis le début comment donc j'en suis arrivée là, ce 200 livres, et comment ce que j'ai fait jusqu'à présent. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en septembre, le 15 septembre, et je me suis fixé un nouveau défi qui est d'ici le 15 décembre de perdre encore quelques livres, quelques kilos pour avoir, pour être dans ma tranche de poids santé. Parce que actuellement, je suis autour de 166 livres qui correspond à peu près à 75 kilos. Et mon poids santé se situe entre 49 et 66 kilos. Et je me suis dit, ok, on va y aller pour faire rond. On va y aller à 65 kilos. Donc, mon objectif, c'est de perdre encore une vingtaine de livres et donc 10 kilos. Alors, je suis vraiment encore tout au début de ce défi-là et d'aujourd'hui à décembre, nous sommes vraiment à 90 jours nets, 3 mois nets pour commencer, pour lancer ce défi-là. Et je me suis pesée ce matin, j'étais à 165,8 exactement, 165,8. Donc, mais en fait, ce nouveau défi-là, je l'ai lancé juste vraiment il y a 2 jours, donc ça s'annonce bien. Donc à chaque fois, donc chaque semaine, si je peux chaque semaine ou aux 2 semaines que je vais faire des vidéos, je vais faire une mise à jour de mon poids et puis on va aller comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet aussi parce que je voudrais aussi aborder certains points, certains sujets. Si vous avez des questions par rapport à cette diète, parce que la méthode que j'utilise pour atteindre mon objectif, c'est le jeûne intermittent, la méthode du 16-8, donc 16 heures sans manger et une plage horaire pour manger de 8 heures. Moi, j'ai choisi de manger 2 fois par jour, donc c'est le 16-8 et j'associe à cela l'alimentation cétogène. En anglais, keto, j'aime souvent dire keto, donc j'associe donc le keto et le jeûne intermittent. Et aujourd'hui, j'aimerais parler du keto. Souvent, vous pouvez voir en anglais, on parle de strict keto, de clean keto, de dirty keto, de lazy keto. Qu'est-ce qu'on entend par toutes ces expressions-là? Clean, donc un keto propre, keto strict propre, keto sale, un keto lazy, un keto paresseux, si on veut traduire en français. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ces termes-là? Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Ben, je ne vais pas aller de long en large parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations sur le net où vous pouvez trouver cela. Mais je vais donc juste résumer parce que je ne veux pas aussi que cette vidéo soit très longue. Donc, quand on parle de strict keto, donc de keto qui est strict, ça fait référence à keto qui est propre. Donc, c'est vraiment la façon traditionnelle de faire cette diète, cette façon de s'alimenter, qui est en fait de s'assurer qu'on est dans... qu'on atteint bien ses macros, qu'on est dans la plage de ses macros, c'est-à-dire qu'au niveau des glucides, on est vraiment moins de, en grammes, on est autour de 15 à 30 grammes, donc en pourcentage 5%, donc on s'assure vraiment qu'on est là dans cette plage-là au niveau des glucides. Au niveau des lipides, on est à 70% et au niveau ça c'est des lipides du gras, et au niveau des protéines, dont les viandes, on est autour de 20%. Bon, je vais dire un pourcentage pour que ce soit un peu plus facile. Et donc, cette façon de s'alimenter, donc, dans le strict keto, on s'assure donc qu'on respecte ces pourcentages-là. Et pour y arriver, on traque, on monitore tout ce qu'on mange. Généralement, on utilise des applications, tout ce qu'on mange, tout ce qui rentre dans notre bouche, on écrit et ça permet de s'assurer qu'on respecte bien les pourcentages. Et aussi les choix, ça aussi les choix d'alimentation, donc ce qu'on choisit pour manger, c'est aussi important dans le keto clean, le keto propre.
Souvent, ceux qui font ça, ils achètent la viande vraiment bio. Les légumes, c'est vraiment une alimentation avec de la viande, de la bonne viande, poisson vraiment biologique, de la bonne qualité. Des gras, quand on parle de gras, c'est des bonnes huiles. Ce n'est pas des huiles végétales, c'est des huiles de coco, les huiles d'olive ou le ghee, du beurre, vraiment des huiles, des gras qui est clair, des bons légumes. Et associé à cela, et très peu de fruits, les baies sont permis en très peu quantité parce que ça aussi souvent c'est aussi souvent élevé en glucides. Donc un keto clean c'est vraiment un keto où on s'assure de respecter les macros et en plus de ça les choix alimentaires sont moins des choix propres, des aliments propres, de la bonne viande, poisson, de bonne qualité, des légumes de bonne qualité et du gras de bonne qualité. Donc c'est ça en fait. Et lorsqu'on parle de keto lazy, les keto paresseux, keto paresseux, c'est en fait beaucoup plus pour quelqu'un qui ne veut pas monitorer tout ce qu'il mange. Donc, il trouve que c'est fatigant d'inscrire, de noter tout ce qu'il mange. Alors, bon, il peut juste se focaliser sur les glucides, s'assurer de ne pas dépasser les glucides. Parce que le pourcentage de glucides à ne pas consommer, ça reste le même, 5%. Donc, il peut être en grammes, glucides nets, qui peut être en grammes autour de 15 à 30 grammes. Donc, il s'assure de respecter toujours ça. Donc, peut-être, il peut juste. Enfin, il peut faire le calcul juste pour traquer que, ok, je ne dépasse pas mes glucides et ça marche, il perd toujours. Donc, quelqu'un qui fait le keto lazy, paresseux, c'est cette idée-là qu'il ne veut pas trop monitorer. Et souvent, bon, on conseille de faire ça lorsqu'on a déjà vraiment. On maîtrise déjà la diète, on sait déjà comment notre corps réagit et puis on peut juste se focaliser juste sur les glucides et continuer la diète à long terme. Donc ça c'est pour le keto paresseux. Et pour le keto sale, le keto dirty. Le keto dirty, c'est dans ça, on monite toujours les glucides, c'est-à-dire, bon, le keto dirty, c'est que, bon, là-dedans, on est permis à manger des junk food, si on veut, du junk food. C'est-à-dire, du moment où c'est low carb, du moment où c'est bas en glucides, on peut manger cela. Donc, on peut manger comme certains tortillas low carb, pain low carb, dessert low carb. Parce que pour certains qui font les keto strict, certains d'entre eux ne mangent pas même les desserts. Donc, pour quelqu'un qui veut faire le deuil, il peut manger du moment où c'est low carb, des aliments low carb, il peut en manger des hamburgers, du moment où c'est low carb, il peut manger des choses qui n'ont pas toujours des bons nutriments. Il peut se focaliser donc sur ça et continuer à perdre. Bon, le seul hic dans ça, c'est que bon, ils peuvent manquer des nutriments, des bons nutriments qu'on peut avoir dans les légumes parce que ben, dans ça, dedans, quand on a ces bons nutriments-là, on a aussi vraiment beaucoup, beaucoup de bienfaits à l'intérieur de notre corps et ça peut se voir avec notre peau, comment on a une belle peau, comment le corps se sent bien. Donc, en fait, le keto sale, si on ne mange que ça tous les jours, c'est pas très très bon. Par exemple, le bacon, les saucisses, c'est permis en keto, mais si c'est notre alimentation n'est constituée que de bacon, saucisses, ces genres de choses, des tortillas, tout ça tous les jours, c'est pas très très bon. On n'a pas tous les bénéfices de ce qu'on devait avoir en suivant le keto. Donc, c'est un peu ça. Donc, globalement, bon, c'est un peu comme ça qu'on peut les distinguer. Et donc, souvent, ce qu'on conseille, c'est que lorsqu'on commence, il vaut mieux commencer avec le keto propre ou strict. Il vaut mieux commencer là. Et comme ça, on apprend à connaître son corps. On apprend à connaître comment notre corps réagit par rapport à cette façon de s'alimenter. Et quand on va avoir dans la maîtrise, lorsqu'on va être vraiment habitué après plusieurs semaines, plusieurs mois, on peut switcher, on peut passer à un keto un peu lazy, donc à ne pas forcément tout monitorer. Et moi, ce que j'entends par keto sale, bon, pour moi, je peux le conseiller de le prendre comme
le jour de son cheat day, si on a un jour de cheat day, au lieu d'aller manger des aliments non keto, on peut se permettre ce jour-là peut-être de manger un dessert keto, de manger quelque chose qui nous plaît, mais en version keto, comme du pain, des tortillas, ce qu'on veut qui n'est pas forcément légumes, toujours viande pure, 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 on peut se permettre ce jour-là. Donc, en fait, c'est un peu comme ça que je vois ça, mais vous pouvez continuer votre recherche. Il y a vraiment beaucoup de documentation là-dedans. Et moi, en fait, comment j'ai commencé? Moi, j'ai commencé un peu tout mélanger. J'ai commencé un peu tout mélanger. J'ai commencé à monitorer, oui, mais je ne voulais pas tellement, je voulais pas être dans une idée comme, je voulais pas être comme si je suis en diète. Donc, je mangeais du pain, des desserts, presque chaque jour et tout. Mais en version keto, donc je sais pas si c'est vraiment sale, mais le bacon, c'est quelque chose que je mange souvent, pas tous les jours, mais quand j'en mange, vraiment, c'est juste un bacon. C'est juste le bacon, je sais pas pourquoi, c'est j'ai jamais vraiment aimé ça pour le manger beaucoup. Juste un bacon pour moi, c'est suffisant et j'aime prendre ça pour le repas, mon repas qui est comme un repas de petit déjeuner, donc avec des œufs et je peux l'accompagner avec un bagel keto. Donc, c'est un peu ça. Je monitor, j'essaye vraiment de manger un keto clean. Surtout maintenant où je suis engagée à mon nouveau défi, j'essaie de manger vraiment un keto clean. Mais je peux me permettre aussi de manger un dessert qui est keto et qui, avec les nutriments que je mets dedans, c'est aussi clean parce que c'est de la farine d'amande, c'est des beurres, des sucres keto, exclusivement keto, donc c'est aussi clean. Donc, c'est à peu près ça. Si vous aimez de telles vidéos, je vous invite à aimer, le partager et de commenter comment est-ce que vous faites votre keto, qu'est-ce qui vous plaît le plus, est-ce que vous faites le keto, est-ce que vous êtes plus à l'aise avec le keto propre, le keto paresseux ou le keto sale? N'hésitez pas à commenter. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer des bons moments et d'ici la prochaine fois, on se nourrit que du bon. À bientôt. Bye bye.